Salut à toutes et à tous, c'est Riveless. On se retrouve pour du Fire Emblem sur Game Boy Advance. C'est parti pour le chapitre 22, Légende Vivante. Le désert de Nabata. Des terres désertes qui brûlent le jour et gèlent la nuit. Elles méprisent la vie. Quiconque ose pénétrer ces terres est condamné à y errer à jamais. Lord Uther, le marquis d'Ozithia, a parlé d'une légende vivante. Guidé par les mots du marquis, Eliwood se dirige droit vers le désert. Il fait trop chaud, je n'en peux plus. Hé, vous voulez que je vous porte sur mon dos? Comment? Vous semblez surpris. Cela ne vous ressemble pas d'être aussi prévenant, Hector. La chaleur vous ferait-elle délirer? Qu'est-ce que cela signifie? Je veux simplement vous éviter de perdre connaissance. D'ordinaire, vous êtes si bourru, le pauvre enfant est déboussolé. Ne soyez pas gêné, Nils, laissez-le vous aider. Mais... écoutez ce qu'on vous dit, jeune homme. Hein? Ah! Je vais tomber! Le marquis d'Ozithia a dit « Entrez dans le désert, puis allez vers l'ouest. Vous verrez quelqu'un. Hélas, nous n'avons vu personne. Est-ce raisonnable d'aller plus loin? Je crois bien que non. Approchez. Pardon? Cette chaleur vous accable. Prenez mon bras si vous voulez. Je ne pourrai... Bah, allez! Très bien, pardonnez-moi. Quelque chose ne va pas? C'est étrange. Quoi donc? Vous nous traitez, mon frère et moi, si normalement? Cela ne vous dérange pas? Notre pouvoir, notre apparence, nous sommes si différents des autres gens. Cela vous dérange, vous? Où est le mal à être un peu différent des autres? Quand je vous regarde, je ne vois pas les autres gens. Je vois simplement Ninian. Je vois une jeune fille normale et généreuse. Vous êtes sincère? Oui. Lord Eliwood. Oh. Je crois que quelqu'un approche. Serait-ce Lord Pent? Non, il s'agit d'un groupe envoyé par Uther d'Ozithia. Hokai, va les retrouver et les conduire jusqu'ici. Votre compagnon ratisse encore le désert. Il semble avoir des difficultés à trouver ce qu'il cherche, non? Non, soyez sûr qu'il le trouvera bientôt. Mais des bandits approchent dangereusement. Ils ont repéré Pent et sont prêts à attaquer. Oh, c'est... Avez-vous peur pour sa vie? Non, Lord Pent sait très bien se défendre. Mais s'il ne revient pas bientôt... Oui. Cela vous gênerait-il de dîner sans nous? Je vais attendre Lord Pent, mais j'imagine que vous devez avoir très faim. Lord Athos, qu'y a-t-il? C'est vous, Louise. Vous êtes une femme si drôle. Depuis que Pent vous a emmené ici, j'accumule les fous rires. Je vous en remercie. Pardon? Je ne suis pas sûr de vous comprendre, mais je suis heureuse d'avoir pu vous servir. Au fait, nos visiteurs viennent de Lycia, c'est bien ça? Je me demande ce qui les amène ici. Grand Archimage, vous êtes si pâle, vous allez bien? Quand la roue de la fortune se met à tourner, plus personne ne peut l'arrêter. Mais, tant qu'il y aura de l'espoir, les gens n'auront de cesse d'essayer. Ils ignorent la catastrophe qui les attend. Lord Eliwood? Ninian? Là-bas, quelqu'un est attaqué. Vous en êtes sûr? Bah, c'est sûrement lui. On dirait un homme seul contre une armée de bandits. Allons l'aider. Il n'y a rien de plus intolérable... Je recommence. Il n'y a rien de plus intolérable qu'un combat déloyal. Attendez, Lynn, je viens avec vous. Et vous deux? Où vont-ils chercher toute cette énergie? C'est incroyable. Que décidez-vous?
Allons-y, entre amis, il faut se serrer les coudes, non? Oh, regardez, regarde un peu cette âme généreuse, Jasmine. Il semble disposé à nous donner son trésor. Oh, Paul, je crois que tu as raison. Quelle générosité! J'ai passé des jours et des nuits à le chercher. J'ai travaillé trop dur pour le laisser à de vulgaires voleurs. Oh, qu'il est grossier! Et dire que nous voulions lui faire une fleur en les laissant vivre? Nous sommes des créatures fragiles, ne jouez pas avec nos sentiments. Vous êtes méchant. Il est vraiment trop méchant. Tu ne trouves pas, Jasmine? Oh, Paul, je sais bien, je le sais trop bien. Il m'a brisé le cœur. Quoi, à toi aussi, Jasmine? Tu souffres également, Paul? Allons-y, il faut le convaincre de reconsidérer cette affaire. Croyez-moi, je ne vous veux aucun mal. Bon, nous allons devoir tous les décimer. Alors, c'était un chapitre qui peut être... qui est assez chiant. Oui, il est chiant, il est casse-couille, puisque dans le désert... Alors, attends, une chose. Fortune, si je fais l'augure... Quoi? Un désert? Mais il fait... Bon, j'arrive de faire la voix de la petite vieille, c'est le chiant. Peut-être que ça vous a pas échappé, mais je suis plus toute jeune, moi. Ah non, on l'avait pas remarqué! Si vous voulez entendre les meilleures directions, faites sonner la monnaie. Non. Bah alors... Alors c'est peut-être à partir du prochain chapitre. Non, parce qu'au bout d'un moment, elle arrête, elle est remplacée par Nils. Et du coup, c'est gratuit. Alors il faut savoir que plusieurs choses. Dans le désert, se trouvent des items cachés. Là, ici, il y a, je crois, ce qui s'appelle le fer léger. Là, il y a un anneau. Là, enfin, là au-dessus, il y a un tome, je crois. Là, quelque part en bas, il y a ce que j'ai besoin pour faire promouvoir Dart. Et après, je ne sais plus. Ah, mon Dieu. Oh là 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 là. Alors, petite ellipse temporelle. Voilà. J'ai donc recherché la carte avec la solution. La solution des items en question. Donc là, il y a bien un item. Sauf que c'est pas le fer léger. Le fer léger se trouve là. Le fer léger, c'est un item très sympa. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai chopé. Là, ici, il y a un blason héros. Ici, il y a une... ici. Sur une de ces cases, il y a le... un anneau qui augmente la constitution. Ici, il y a un anneau pour Ninian. Ici, il y a un tome de magie noire. Et en bas, il y a, sur ces cases-là, les quatre ici, il y a le saut aqua qui permet de promouvoir les pirates. Alors, pour récupérer ces items, parce que je vous montre plusieurs cases, c'est parce qu'on peut les obtenir... Enfin, on peut obtenir le thème en question sur une des cases que je vous ai décrites. Donc, par exemple, pour avoir le blason héros, il faut soit se mettre là, là, là ou là. Donc, pour récupérer l'objet, il suffit de se mettre dessus. Enfin, il suffit. Le voleur est la seule classe qui trouvera à coup sûr. Alors que si vous mettez une unité alliée, ça dépend de sa chance. Donc, en mettant un voleur, on augmente drastiquement les chances. Et donc, du coup, faut embarquer un voleur avec soi. Alors là, je ne veux pas embarquer trop de gens. Je vais pas embarquer Hector. Si, je vais embarquer Priscilla quand même. J'embarque Raven. Ah, bah, je vais promouvoir Sane. Et on va avoir notre première promotion, les gens. Enfin, celle de voilà, ça ne compte pas, puisque c'était pour, on va dire, la partie tutoriel. Mais là, oh là là, attention, ça va être beau. C'est parti! Sinon, pour la petite histoire, les bonus de promotion sont les mêmes pour tout le monde. Enfin, pour la... Je veux dire, Sane, vous allez reset, ou n'importe quel autre cavalier, ce sera les mêmes bonus. Donc là, vous pouvez voir que
la plupart des stats du paladin, enfin, c'est assez équilibré, c'est assez élevé. Et apparemment, il n'y a que la force chez Sane qui va aller jusqu'au fond. Donc voilà, belle promotion, hein. Et oui, une autre chose aussi dans le désert, parce que là je vous ai parlé des objets, que je vais récupérer tous, évidemment, ce serait bien. Même si vous avez un inventaire complet, il va vous proposer de l'envoyer au convoi à Merlinus, donc c'est pas grave si vous avez un inventaire plein pour un bonhomme. Et dans le désert, les mages sont super avantagés. En gros, vous voyez, l'archer normalement se déplace de 5 cases, bah, c'est divisé par 2. Alors que pour lui là, il garde son déplacement. Donc là, eux, bah, normalement ils se déplacent de 6 cases, les guerriers. Qui est l'évolution du combattant, parce que quand on a rencontré Oleg, j'ai oublié de le dire, que c'était un guerrier. Donc voilà. Alors il y a Pent, qui va être ici quelque part. Et qu'il va falloir secourir assez rapidement. Donc je vais y aller avec Florina. Parce que le problème, c'est que Pent, il va vouloir se taper ces gens-là. Alors déjà, il y a une sage-bague à récupérer ici. Là, il y a une hache létale. Et j'aimerais bien battre ces gens sans trop de problèmes. Normalement, je pourrais l'affronter à l'aise avec Raven, par exemple. Mais là, la hache létale et tout... Non, pas tellement, tu vois, hein. 32 dégâts, 32 dégâts, j'ai personne qui pourrait encaisser autant. Enfin, encaisser un coup, mais pas un coup critique. Bon, maintenant, je retourne à la formation. Donc, je vais prendre Lynn, je prends Priscilla et Raven, normal, Rebecca et Dart, Zwin et Florina. Peut-être pas Sane, en fait. Je vais prendre Canas, je vais prendre Ninian. Zwin, c'est pas tellement un bon plan, en fait. Et le goth, voilà. C'est cool. Attends, je vais réorganiser. J'organise mes couples. Et je crois que c'est tout, j'ai pas d'autres couples. Il y a possibilité de faire Lynn Florina, mais moi je veux faire Lynn Wrath. D'ailleurs, je sais pas si ça vaut le coup que je prenne Wrath. Parce qu'en fait, pour ce chapitre, il faudrait que j'essaie d'accumuler, durant toute la bataille, un montant de 700 points d'XP. Il faudrait que je gagne 700 points d'XP en rassemblant tous les points gagnés par mon armée pour pouvoir avoir droit au chapitre annexe. Le problème, c'est qu'avec une équipe telle que j'ai, surboostée et tout, en gros, si je gagne 7 niveaux complets, voilà, il y a moyen. Ce qui va pas m'être utile durant tout le chapitre. Bon, il y a pas de coffre ici. Ce que tu peux utiliser, oui, tu peux utiliser un fer létal, un dracocide. Là, il va y avoir des cavaliers wyvernes. C'est bien, c'est qu'il a le niveau C à l'épée, donc il peut utiliser la plupart des épées, c'est génial. Bon, les pieux, je le garde bien correctement. Bon, je vais faire à nouveau de l'organisation. Voilà, ça fait de la place. Alors il y en a qui vont se dire, mais pourquoi tu revends pas? Parce que c'est pour le rang en fin de partie. Oui, il y a un rang en fin de partie. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a le classement. Enfin voilà, c'est juste pour la fin du jeu. C'est pour mon propre challenge. Comme ça, je me dirais, ouais, j'ai pas eu besoin de faire ci, faire ça, tout ça. J'ai pas eu besoin de revendre du stuff, c'est cool.
Je m'interroge moi-même sur l'équipement que je vais prendre. Je m'interroge maintenant sur la disposition. Niniane, je vais la mettre là. J'aimerais dégommer cet archer là-bas. Qui a combien de vitesse? 6? J'attaque deux fois. Ah non, mais le tome de magie noire va me faire baisser ma vitesse. Putain. Ah, misère. Non. Oh. Voilà, ça me semble bien. Alors, dans le sable, c'est pas très bien un cavalier, mais on va faire avec. Hein. Elle a bien le bâton remède. Je vais quand même lui donner un soin normal. Ce serait dommage de gaspiller un remède au corps à corps. Allez, let's go! C'est si fascinant! Riveless, le désert de Nabata est un coin de paradis pour les magiciens. On raconte que de nombreux artefacts magiques ont été perdus dans ces sables. Je vais chercher. Mais je vais me battre aussi, hein. Ce mec a une épée. D'accord. Ah, j'ai oublié de lui mettre un arc normal à elle. C'est pas grave. Ah, oh, j'attaque quand même. Ah, oh, oui, il a un arc en acier. J'aurais pu attaquer deux fois. En fait, il va y avoir aussi un PNJ qui va sortir ici, là, quelque part. Et j'aimerais pouvoir lui parler assez rapidement avec Eliwood pour le recruter. Parce qu'il faut aussi le recruter pour pouvoir avoir droit au chapitre annexe. Bon, lui, je le tue. Alors je sais que je ne le tuerai pas, je sais qu'il va fort probablement m'attaquer. Mais je vais pouvoir le soigner. Il va pas pouvoir se faire toucher. Ah, il y a peut-être des chances que si en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et merde. Bon, un coup de barrage. Comme ça, il se prendra moins de dommages. Par contre, Priscilla, c'est pas un bon plan. Thank you.
Voilà. Aïe. Ouais, Pent, il est surpuissant. Du moins à cette étape du jeu. Bien sûr, il se fait aggro par tout le monde. Il n'a pas le choix que de répliquer. J'ai bien fait de lui mettre... C'est con, je vais pas pouvoir le faire attaquer deux fois. Aïe. Ouais. Je suis pile à portée. Ah, d'accord, le soutien avec Ninian augmente sa défense. C'est bon à savoir. J'avais un bon site avec les bonus que ça donnait et tout, mais je ne le retrouve pas. Qui êtes-vous ? Je suis Okai, gardien du désert. Le gardien du désert ? Je vais chasser ces bandits. Les hôtes n'ont pas à se battre. Attendez, les hôtes ? Voici un berserker. Qui n'est pas très bon en termes de stats. Ah mais putain, hey, je vais... ça suffit les mecs en moto dehors là. Je suis en train de faire une vidéo, ouais. Je devrais mettre une pancarte dans la rue. Non, sérieux, par les classes, Pirate Berserker. Donc certes, Okai a beaucoup plus de PV, mais Dart a déjà beaucoup plus de force, enfin beaucoup. Avec la promotion derrière, il est en avance, presque aussi précis, il est beaucoup plus rapide, il n'a pas autant de chance, il n'encaisse pas autant, que ce soit sur le magique ou le physique. Mais en termes de puissance, voilà, il n'y a pas photo... Ah zut. Bon ben je vais commencer à l'attaquer une fois, tant pis. Normalement, lui, il est beaucoup trop loin. Ah, on va éviter d'attaquer en diagonale ici, alors. Oh, oui. Il y a sa puissance qui augmente. C'est cool. Au pire, je peux le faire chercher lui. Dans ces quatre cases là. Si je fais ça, c'est parce que j'espère faire un truc avec Ninian au prochain tour. Pour améliorer le déplacement. Thank you.
On n'aura pas vu de coup critique du pirate, en fait. Ah. Bon, bah, en fait, je ferai qu'une attaque toute simple sur un ennemi quelconque. Le problème, c'est qu'une attaque toute simple risque de mettre KO un ennemi. Voilà, ça va mieux, Ras. Arrête d'aller si loin. C'est le commando sauvetage. Putain, il va attaquer Pent. Le. Bah, il est quand même utile. Enfin, je veux dire par là que je m'en serais pas beaucoup servi, mais au final, si, quand même. Ouais, la vitesse qui augmente. Moi, je dis pas non. Franchement, s'il peut être promu, lui aussi, ça va être cool. Alors lui, on va commencer à le battre. Combien de chances de critique? 7. Non, il n'a pas assez de chance. Pile devant lui. Oui, ils aggro. Et ils ont pas de dialogue particulier. Mais arrête de tous les tuer. Arrête tes conneries maintenant. Allez, c'est quelque part ici, normalement. C'est sur ces quatre cases-là. Putain, faudrait que j'arrive à le toucher, en fait. C'est surtout ça, le truc. Non! Ah! Bah, il est à portée de canasse. Enfin, Kana, c'est à portée plutôt. C'est plus justement dit. Allez, boss bashing. Encore faut-il que je le touche.
En fait, la moitié des ennemis ont été décimés par Pent. Non mais, ma cocotte. Faut arrêter là. Fuyons. Le gars, tu fuis. Non mais... T'abuses là. Comment tu peux louper deux fois 72? Non mais il va y aller. Encore 3 points. Vas-y, encore 3 fois mec. Ouais, il a touché. Amazing. À 47. Donc tu vois, t'abuses mec. Tiens, je vais visiter cette maison. Vous savez quoi? C'est moi qui garde la maison. Vous voulez savoir comment je fais? Eh bien, je suis sage comme une image. C'est pour ça que je reste ici. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez un trésor, comme l'autre visiteur? Je vais vous dire un secret. Quelque chose est enseveli près des ossements. Vraiment, c'est la vérité. Il y a aussi un truc ici, là. Oh. Wow. Alors si je le touche 8, donc il sera à 19. Ouais ben ça peut le faire. Alors oui, Florina, comme elle porte quelqu'un, sa vitesse est divisée par 2. C'est énorme. Et pas dans le bon sens du terme. Putain. Ah d'accord. Sauf que là il risque de mourir. Il faut mieux que ce soit fait avec lui. Je suis blessé mais je trouve ça excitant. Ces gens sont trop forts, Paul. Voilà, un niveau entier. Oh, c'est beau. Ça va être une machine à tuer, lui. Oui, j'avais bien pris la sage bague. J'en étais plus sûr sur le coup. Bah ça va être dur pour Dart juste de gagner 3 points. Oh là là. La blasitude. Parce qu'il est rapide. Donc il va se... Enfin il est rapide, ouais il est plutôt rapide.
Oh oui. Bien. Ça se prend quand même, hein. Aïe. Oh, va, comment il monte? Parce que sur le coup, je me disais, ouais, mais comment je vais faire, moi, pour gagner toute l'XP dont j'ai besoin? C'est bon, j'ai eu ma réponse. Déjà, je profite qu'il soit blessé, comme ça, voilà, ni vu ni connu, un petit peu d'XP. Non, mais sérieusement, là. Je voudrais gagner mon Tom. Tom. Enfin, c'est pas un tome. Le tome de Maginot se trouve là, sur ces cases. Ils ont quoi comme tome des flux? Mais les flux à flux. Merde, je voulais voir le tome. Ouais, je suis bien là. Même là, il y a un truc ici, il y a un truc. J'aimerais le donner à Okai. Comme ça, je pourrais utiliser Florina comme... comme société de transport aérienne. Ouais. Ça pique. Ça c'est bien. Puissance, vitesse. C'est tout ce que je te demande, mec. Par contre... le mage noir là-bas. J'aimerais plutôt qu'il aille là, tu vois. Là, il y a Ras. Oh là 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 là. C'est pitoyable là, comme level up, hein. Lui là, il va aller jusque là. 1, 2, 3, 4, 5. On recule toutes. Je déteste ce chapitre pour ça. Parce que j'aimerais que ce soit Ras qui se le fasse, parce que c'est celui qui aura le plus d'XP. Allez, qui c'est que j'ai pas encore déplacé? Hollywood? Ouais, je l'ai déjà déplacé, mais voilà. Ça va piquer! Oh, il a esquivé! C'est bien, ma gamin! 40 points d'XP. Facile. Je crois que je dois envoyer mon voleur.
parce qu'il va trouver tous les objets tranquillou, sans problème. Oh, il veut décidément pas le trouver, ça m'énerve. Let's go! Ouais, encore une esquive. C'est beau. Juste un point de puissance. Oh, t'aurais pu augmenter aussi un petit point ailleurs, non? Ah, le saut à quoi? Pour pirates de niveau 10 ou plus. C'est le seul qu'on peut trouver dans la nature. Vous n'avez pas ça, bah tant pis, vous pouvez pas promouvoir d'art. Bon, je vais devancer mon petit voleur. Au cas où. Parce que Florina a beaucoup de chance hein, en plus, normalement. Ah, je manque de bol, je suis sur une case où il n'y a rien. C'est là ou là? Pourtant, il a pas trop de chance. Enfin, il a de la chance quand même, lui. Ah, ça va pas le tuer. Ah, si, ça va le tuer. Alors, lui, comme il est dangereux, il faut essayer de le tuer en un tour. Je me souviens plus comment j'ai fait. Je crois que je l'ai aggro avec quelqu'un qui a de la chance. Ou qui pouvait... Je sais plus comment je m'y suis pris. Oh. Je me souviens plus, en effet. Je crois que j'ai quand même dû utiliser quelqu'un pour Appa. Ah, soutien. Dart. Quoi? Encore toi? Je m'appelle Rebecca. Je vous dois des excuses pour tout à l'heure. Des excuses? Pour avoir eu peur de vous, je suis terriblement désolé. Bah, c'est déjà oublié. C'est normal. Toutes les femmes craignent les pirates. Si vous le dites. Bref, je suis navré. Je t'ai dit que ce n'était rien. J'ai une faim de loup. Je pourrais dévorer un lion. Oh, attendez. Prenez ceci. Qu'est-ce que c'est? Un déjeuner spécial que j'ai préparé moi-même. Des fruits frais, du poulet rôti, du pain complet et... Oh! C'est pour vous, prenez? D'accord, puisque t'insistes. Maintenant, on est quitte. C'est un bon compromis, non? Oh, oui. Bon, maintenant que j'ai ce que je voulais en bas... Je crois que je l'ai tué avec mes mages. Parce que comme il peut pas... Voilà. Eclipse. C'est pas un tome de magie forcément cool, mais bon. Est-ce qu'il peut l'utiliser? Bah oui, il est niveau A, donc normalement il est censé pouvoir l'utiliser. C'est un tome de niveau combien? B. Oh, par contre, la précision de merde. Là, ça réduit les PV ennemis de moitié, tu vois. Donc passer de 47, allez, 46, parce que de toute façon ça prend pas les décimales. 46 par 2, 23. Ce serait déjà vachement mieux. Bon, il va attaquer jusqu'où lui? Voilà la distance maximale. Où je booste quelqu'un avec la grâce Ninis. Normalement la grâce Ninis elle booste de 7 points aussi bien en comment? Dans les deux catégories, en défense et en résistance. Mais qui a le plus de défense parmi mes bonhommes? Okai.
Allez, en dehors d'Okai, c'est Hollywood. Ok. Ok. Et combien de vitesse, lui? 12. Ok. Donc ce serait de lui? Lui qu'il faudrait que j'envoie au combat? Mais c'est du suicide. Il se fera laminer en moins de 2. 18, 18, 18. 30 avec le debuff. 29. 29, 29. 29 moins 11. C'est ça, 29 moins 11. 18. Non, mais même. Mais non, non, non. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Le taux de critique, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je vais peut-être commencer à chercher les items ici en fait. Non, je vais devoir vraiment passer le voleur partout. C'est dingue. Il y a peut-être qu'un moyen en balançant la sauce avec tout le monde. C'est cool. Bah. Allez, mes gaillards. Putain, j'ai vraiment pas de bol, là. Force Fila. Ça augmente la frappe. Il tape à 30. En fait, il pourrait one-shot le goth. C'est mignon. Non, cherche pas grâce, tu frapperas pas assez fort. Maintenant, les deux là, ils ont un beau taux de critique, hein. 16 et 15. Ça, c'est cool. Je fais pas vraiment avancer Priscilla là. Bon, ouais, ça va tomber là. Les items. Non, ça a pas l'air. Bon, on va en mettre plusieurs. Hein. On va envoyer plusieurs bonhommes. On va augmenter les probabilités, hein, parce que sinon je suis encore là demain, moi. Voilà, le fer léger. Qui demande quand même... Ah, seulement niveau C. Donc il pourrait même l'utiliser. C'est une arme magique. Elle utilise la magie blanche. Je pourrais la donner à quelqu'un, en fait. Ah, toute XP est bonne à prendre, hein. Par contre, elle avance tout doucement. Putain, c'est pas des chevaux qui ont été entraînés pour ça. Non, bon, sérieusement, là, vous êtes des manchots ou quoi, là? Bah, il suffit qu'il lui arrive et voilà. Bon, d'accord. J'aurais dû peut-être prendre le brise-hache. Ça aurait été une très bonne idée. Mais elle, elle est en mousse, donc... Il va être chiant à tuer, lui, là-bas. Je le sens.
Là, normalement, j'ai des classes pro, enfin des bonhommes promus, donc ils me posent pas trop de problèmes. Le problème, c'est que ça va pas valoir le coup avec lui. Parce qu'il est déjà bientôt au niveau suivant. Et ce serait con qu'il fasse un coup critique. Ça serait vraiment dommage. Bon allez, bientôt prêt pour l'exécution de cet enfoiré. On va lui balancer la purée. Normalement j'ai tout récupéré, le blason là-bas. La physiobag, voilà, je me souviens du nom. La force phila qui était là, le tome Eclipse, le fer léger et le blason héros. Deux fois 10. Je sais pas pourquoi, mais je sens que elle va faire une bêtise. Quoique, si elle peut le tuer. Elle peut. Bon, à tenter le coup, hein. Ah mais oui, je me souviens comment je faisais. Sauver. Oui, ça peut pas faire de coup critique à distance, son arme. Enfin, le fer léger peut pas faire de coup critique à distance. Bon, je vais encore attendre un tour pour bien organiser. Tant pis, ça sera pour le prochain. Ça sera pour le prochain chapitre, sa promotion, c'est pas grave. À toi de jouer, Eras! À toi de le finir! Finish him! Quelle cuisante défaite, mon frère! C'est une tragédie, Jasmine! C'est une tragédie! OMG! Je sais pas ce qui me blase le plus entre ce level up et ces motards qui passent sans arrêt devant chez moi. Ah là là! Faut dire qu'il fait beau, c'est compréhensible. Vous m'avez sauvé, merci infiniment. Ce combat était déloyal, nous devions intervenir. Dites, que faites-vous sur cette terre perdue? Eh bien, on nous a conseillé de venir parler à la légende vivante. La légende vivante? Je vois, c'est si bien dit. Mais savez-vous à qui cela fait allusion? Oui, je suppose. On dirait que nous allons au même endroit. Okai, vous aussi vous êtes là? Pent, vous l'avez trouvé? Oui, comme je le pensais, il est spectaculaire. La nuit tombe. Rentrons. Oui, dépêchons-nous. La nuit, le désert est trop dangereux. Dans ce cas... Acceptez-vous cette quête parallèle? Ouf! J'ai accumulé assez d'XP.
Eh bien, c'est bien. J'accepte cette quête. Je veux bien vous suivre, mais est-ce encore loin? Plus nous avançons, plus il y a de sable. Oh. Hector? Qu'y a-t-il? Hein? Hector? Lindis? Mais où sont-ils? Comment... diantre, je... Je m'enfonce dans le sable. Oh là là! Il se passe des choses terribles. Non, ça va. Le prochain chapitre, il est purement optionnel, mais il est très 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 sympa, puisqu'il va me permettre déjà de... Je pense qu'il va me permettre de finir mes phases de promotion, puisque tout le monde est bientôt niveau 20. Je vais enfin passer à la promotion de beaucoup d'entre elles, des unités en question. Ça va être rigolo! Ah là là, vivement le prochain épisode! Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la suite! Salut!